Bonjour tout le monde et bienvenue sur Blog Être Bien. Cette vidéo et les autres vont vous permettre de pratiquer les salutations au soleil autour d'un modèle appelé Shivananda qui fait partie du style Hatha. 5 vidéos pour pratiquer, 5 niveaux différents, plus 10 vidéos de postures détaillées, une vidéo pour chaque posture. Dans la vidéo numéro 1, quel que soit votre niveau de raideur, de manque de puissance musculaire ou de masse autour du ventre. Je ne dis pas que ce sera facile, mais vous devriez pouvoir pratiquer. Pour deux raisons. Le rythme sera assez lent. Et le deuxième, j'ai supprimé les positions les plus difficiles de la méthode Shivananda. Petit rappel, le yoga, c'est écouter son corps, le respecter, ne pas lui demander plus que ce qu'il ne peut, être doux et bienveillant, rester bien à votre niveau, ne cherchez pas à tirer pour gagner un peu plus de souplesse. Cette vidéo est un guide. Alors, laissez-vous guider par la rythmique en gardant votre niveau en termes de posture. Vidéo 1, position simple, rythme soutenu. On se place les pieds joints à l'avant du tapis, le regard fixe vers l'horizon, paume poitrine, on lève les bras au ciel, on plie ou non les genoux, on amène les mains au sol. Où on peut, au plus près possible de chaque côté des pieds. La tête est relâchée contre les genoux. On recule la jambe droite en arrière. Le genou est au sol. Le cou du pied est au sol. Si pas de problème de cervical, la tête regarde le ciel. On recule l'autre jambe. Les deux pieds sont joints sur la pointe des pieds. On met soit les genoux au sol, soit jambes tendues la planche, le regard vers le sol. On pense bien à rentrer le ventre, on pense bien à la hauteur des fesses. Posture suivante, le triangle. On pousse avec les mains, on pousse avec les fesses, la tête relâchée, les épaules descendent en direction du sol. Selon votre souplesse, vous tendez plus ou moins les jambes et votre talon va chercher le sol. On ramène le pied droit à l'avant du tapis. On pose le pied droit, le genou gauche au sol. On récupère le pied droit avec la main droite. On amène le pied droit à l'avant du tapis. On se met sur le cou du pied arrière au sol. La tête fixe le ciel. On ramène le pied gauche au niveau du pied droit, la tête relâchée contre les genoux, on lève les bras au ciel, main au sol, tête relâchée contre les genoux, on recule jambe gauche, genou au sol, cou du pied au sol, tête vers le ciel. Pied droit rejoint pied gauche, la planche ou la demi-planche, la pointe des pieds. Le triangle. On pousse avec les mains, on pousse avec les fesses au ciel. La tête est relâchée, les épaules en direction du sol. Les jambes sont le plus tendues possible en restant dans le confort. Les talons vont chercher le sol. Le pied gauche revient à l'avant du tapis. On le pose où on peut. Genou droit au sol, cou du pied au sol. On récupère le pied gauche avec la main gauche. On amène le pied au niveau de la main droite. On ramène le pied, la main au sol, la tête regarde le ciel, on ramène le pied droit au niveau du pied gauche à l'avant du tapis entre les deux mains, la tête relâchée contre les genoux, on lève les bras au ciel, on relâche. Paume poitrine. Bras au ciel, plie les genoux, main au sol,
Tête relâchée contre les genoux. Recule jambe droite, genou au sol, coude du pied au sol. La tête regarde vers le ciel. On recule jambe gauche, on se met sur la pointe des pieds. On joint les pieds l'un contre l'autre. Le regard vers le sol, planche ou demi-planche. Pensez bien à rentrer le ventre, pensez bien à la hauteur des fesses. On va se mettre dans le triangle. On pousse avec les mains, on pousse avec les fesses. Les épaules en direction du sol. La tête relâchée, le regard en direction des orteils. On amène le pied droit à l'avant du tapis, on le pose là où il vient. Le genou gauche au sol. Le coude du pied arrière se met au sol. On prend l'arrière du pied droit avec la main droite. On amène le pied au niveau de la main gauche. On pose la main droite au sol. La tête vers le ciel, qui regarde le ciel. On ramène le pied gauche au niveau du pied droit. Les deux pieds sont joints entre les deux mains. La tête relâchée contre les genoux. On lève les bras au ciel. Main au sol. La tête relâchée contre les genoux. Au plus près possible du sol, les mains. On recule la jambe gauche. Le genou gauche au sol. Le cou du pied au sol. La tête qui fixe le ciel. On recule la jambe droite. Les deux pieds sont joints, les deux genoux sont joints. Planche ou demi-planche, bébé planche, le regard qui fixe le sol. Si vous êtes sur la planche, pensez bien à la hauteur des fesses. Rentrez le ventre. Ensuite, triangle. On pousse avec les mains, on pousse avec les fesses. On amène les épaules en direction du sol. La tête relâchée. Les jambes tendues en fonction de votre souplesse et de votre confort. Les talons qui vont chercher le sol, pareil, en votre souplesse et votre confort. On amène le pied gauche à l'avant du tapis. On le pose là où on peut. Genou droit au sol, coude du pied droit au sol. On prend l'arrière du pied avec la gauche avec la main gauche. On l'amène à l'avant du tapis à côté de la main droite. On pose la main gauche au sol. La tête qui fixe le ciel. On ramène le pied droit à l'avant du tapis, à côté du pied gauche, entre les deux mains, en fonction de votre souplesse. La tête proche des genoux. On lève les bras au ciel. On relâche. On vient de faire deux séries. Paume poitrine. On lève les bras au ciel. On plie ou non les genoux, on amène les mains au sol. La tête est relâchée contre les genoux. On recule la jambe droite en arrière, le genou est au sol, le cou du pied est au sol. Si pas de problème cervical, la tête regarde le ciel. On recule l'autre jambe, les deux pieds sont joints sur la pointe des pieds. On met soit les genoux au sol, soit jambes tendues, la planche, le regard vers le sol. On pense bien à rentrer le ventre, on pense bien à la hauteur des fesses. Posture suivante, le triangle. On pousse avec les mains, on pousse avec les fesses. La tête relâchée, les épaules descendent en direction du sol. Selon votre souplesse, vous tendez plus ou moins les jambes. Et votre talon va chercher le sol. On ramène le pied droit à l'avant du tapis. On pose le pied droit.
le genou gauche au sol. On récupère le pied droit avec la main droite. On amène le pied droit à l'avant du tapis. On se met sur le coude du pied arrière au sol. La tête fixe le ciel. On ramène le pied gauche au niveau du pied droit. La tête relâchée contre les genoux. On lève les bras au ciel. Main au sol. Tête relâchée contre les genoux. On recule jambe gauche, genou au sol. Coup du pied au sol, tête vers le ciel. Pied droit rejoint pied gauche, la planche ou la demi-planche, la pointe des pieds. Le triangle. On pousse avec les mains, on pousse avec les fesses au ciel. La tête est relâchée, les épaules en direction du sol. Les jambes sont le plus tendues possible en restant dans le confort. Les talons vont chercher le sol. Le pied gauche revient à l'avant du tapis. On le pose où on peut. Genou droit au sol. Coup du pied au sol. On récupère le pied gauche avec la main gauche. On amène le pied au niveau de la main droite. On ramène la main au sol. La tête regarde le ciel. On ramène le pied droit au niveau du pied gauche à l'avant du tapis entre les deux mains. La tête relâchée contre les genoux. On lève les bras au ciel. On relâche. Paume poitrine. Bras au ciel. Plie les genoux, mains au sol. Tête relâchée contre les genoux. Recule jambe droite, genou au sol, coup du pied au sol, la tête regarde vers le ciel. On recule jambe gauche, on se met sur la pointe des pieds, on joint les pieds l'un contre l'autre, le regard vers le sol, planche ou demi-planche. Pensez bien à rentrer le ventre, pensez bien à la hauteur des fesses. On va se mettre dans le triangle. On pousse avec les mains, on pousse avec les fesses. Les épaules en direction du sol. La tête relâchée, le regard en direction des orteils. On amène le pied droit à l'avant du tapis, on le pose là où il vient, le genou gauche au sol, le coude du pied arrière se met au sol, on prend l'arrière du pied droit avec la main droite, on amène le pied au niveau de la main gauche, on pose la main droite au sol, la tête vers le ciel, qui regarde le ciel, on ramène le pied gauche au niveau du pied droit. Les deux pieds sont joints entre les deux mains. La tête relâchée contre les genoux. On lève les bras au ciel. Main au sol. La tête relâchée contre les genoux. Au plus près possible du sol, les mains. On recule la jambe gauche. Le genou gauche au sol, le cou du pied au sol, la tête qui fixe le ciel. On recule la jambe droite, les deux pieds sont joints, les deux genoux sont joints. Planche ou demi-planche, bébé planche, le regard qui fixe le sol. Si vous êtes sur la planche, pensez bien à la hauteur des fesses, rentrez le ventre. Ensuite, triangle.
On pousse avec les mains, on pousse avec les fesses. On amène les épaules en direction du sol, la tête relâchée. Les jambes tendues en fonction de votre souplesse et de votre confort. Les talons qui vont chercher le sol, pareil, en votre souplesse et votre confort. On amène le pied gauche à l'avant du tapis. On le pose là où on peut. Genou droit au sol, coup du pied droit au sol. On prend l'arrière du pied avec la main gauche. On l'amène à l'avant du tapis à côté de la main droite. On pose la main gauche au sol. La tête qui fixe le ciel. On ramène le pied droit à l'avant du tapis, à côté du pied gauche, entre les deux mains, en fonction de votre souplesse. La tête proche des genoux. On lève les bras au ciel. On relâche. Paume poitrine. On lève les bras au ciel. On plie ou non les genoux, on amène les mains au sol. Où on peut, au plus près possible de chaque côté des pieds. La tête est relâchée contre les genoux. On recule la jambe droite en arrière. Le genou est au sol. Le cou du pied est au sol. Si pas de problème de cervical, la tête regarde le ciel. On recule l'autre jambe, les deux pieds sont joints sur la pointe des pieds. On met soit les genoux au sol, soit jambes tendues la planche, le regard vers le sol. On pense bien à rentrer le ventre, on pense bien à la hauteur des fesses. Posture suivante, le triangle. On pousse avec les mains, on pousse avec les fesses, la tête relâchée, les épaules descendre en direction du sol. Selon votre souplesse, vous tendez plus ou moins les jambes et votre talon va chercher le sol. On ramène le pied droit à l'avant du tapis. On pose le pied droit, le genou gauche au sol. On récupère le pied droit avec la main droite. On amène le pied droit à l'avant du tapis. On se met sur le cou du pied arrière au sol. La tête fixe le ciel. On ramène le pied gauche au niveau du pied droit. La tête relâchée contre les genoux. On lève les bras au ciel. Main au sol. Tête relâchée contre les genoux. On recule jambe gauche. Genou au sol, cou du pied au sol, tête vers le ciel. Pied droit rejoint pied gauche, la planche ou la demi-planche, la pointe des pieds. Le triangle. On pousse avec les mains, on pousse avec les fesses au ciel, la tête est relâchée, les épaules en direction du sol, les jambes sont le plus tendues possible en restant dans le confort, les talons vont chercher le sol, le pied gauche revient à l'avant du tapis, on le pose où on peut, genou droit au sol, cou du pied au sol, on récupère le pied gauche avec la main gauche, on amène le pied au niveau de la main droite, on ramène la main au sol, la tête regarde le ciel, on ramène le pied droit au niveau du pied gauche à l'avant du tapis entre les deux mains, la tête relâchée contre les genoux, on lève les bras au ciel, on relâche. Si vous vous sentez à l'aise avec ces mouvements-là, à l'aise, ça ne veut pas dire que vous les faites au niveau que moi je les montre. À l'aise, ça veut dire que vous êtes autonome pour aller dans une vidéo rythme dynamique. C'est pas plus compliqué que ça.